Bonjour à tous. Sortie du 25 juin, il est 4h30, il pleut légèrement. Et là, je vais faire donc avec l'autorisation du paysan toute cette partie-là. Et derrière, il y a un grand morceau qui descend là et là. Voilà. Alors, j'avais déjà détecté ici avec le Deus. Avec le disque des 28 et j'avais trouvé francs coque, une 10 francs lavrier, un dé à coudre en alu, et là une bague à coudre sympa. Alors ça c'est un truc pour régler les lampes à pétrole, les lampes à huile plutôt. Donc il y a marqué Cosmos Brenner. Je me suis renseigné entre temps. C'est des grandes lampes à huile avec un brûleur, quoi. Voilà, et ça c'est le mécanisme pour régler le brûleur. Ouais, la 10 francs, sympa. J'aime bien. Et la 10 francs coque. Ok, ben je vous reprends à la première trouvaille. Voilà, en 18 secondes, montre en main, j'ai fait une trouvaille, une monnaie. Alors la voiture est là. Elle est où? Là, je marchais. Voilà, premier son. Et je regardais, c'est une 1 franc, je crois. Une 1 franc. Une 1 franc semeuse. Alors, je vois pas l'année. 1974, mon année de naissance. Voilà. Alors, si ça, c'est pas bon signe, je sais pas tout de suite. Ici, là. Ah, vous devinerez jamais ce que c'est, quoi. C'était là. Ah, je sais pas moi. Une bonne main. Là. Regardez-moi ça. Oh my god. Une putain de capsule. En or massif, quoi. Capsule médiévale. 14e. Elle net. Pour rester net, quoi. En plein pré, quoi. Et voilà. Au bout de 20 minutes. 12 capsules. Ça fait vraiment chier. Nom de Dieu. Bon, bah, je continue. Il n'y a que du capsule. Partout, partout, tout le long. Tout le long de ce champ-là. Je suis descendu là le long du bois. Je vais retester là-bas, mais bon, il y a pas mal de galets sous l'herbe. Et c'est chiant. On va voir. Là, je vous reprends. Je commençais à désespérer que des capsules en alu, quoi. Et là, dans ce trou, alors je crois que c'est une monnaie, alors j'ai vraiment pas regardé. Je l'attrape. Ah ouais. Une format 10 centimes napo apparemment. Je vais la frotter un peu. Ah ouais, cool. Ça fait longtemps. Ah ouais, elle a de beau reste. Elle a de beau reste. Là, on voit bien l'aigle de ce côté-là. Voilà, la mise au point est bonne. Alors, on va voir l'autre côté. Bon, là, quand même bien morflé au niveau du profil de ce côté-là. Pas trop la frotter. Non, j'arrive pas à lire la date.
apparemment 1854, on voit là en bas. Voilà, ça fait plaisir. Une nappe 10 centimes. Voilà. À tout de suite. Alors dans ce trou, je vais vous montrer un chouette objet. Alors je l'ai déjà un peu frotté. Alors désolé pour le bruit du vent, si du vent il y en a. Alors c'est une sorte de décoration en bronze. On dirait des fleurs ou une tête de dragon. Derrière, on voit aussi des fermetures, des petits rivets à chaque côté. Et l'arrière de la... on dirait un crochet, une patterne, un truc pour suspendre quelque chose. Non, c'est pas possible. Alors si vous avez une idée de cet objet, je veux bien. Merci. Bel objet en tout cas. Alors je vous reprends, ben, juste un peu plus loin, le même objet cassé ce coup-ci. Enfin, il a le bas ici qui lui manque. Voilà, toujours le même style. Peut-être je vais trouver d'autres choses autour, je vais voir. Sympa. À tout de suite. Cronenbourg, à la vôtre. Une trouvaille dans ce trou, une main. J'ai sorti, alors il est là, cet objet. Là il y a une étoile sur le dessus et derrière c'est assez particulier. Je sais pas, comment un bouton de manchette. Voilà, ça a l'air d'être en plomb, mais j'en suis pas certain. Je sais pas du tout à quoi ça pouvait servir. Voilà, si vous avez des infos là-dessus, merci. Un 10-74 sur le Deus en fast, voilà. Cette médaille militaire, il y a un saint d'un côté. Et de l'autre c'est relativement usé. Je regarde de plus près. C'est vraiment bien encrouté. Voilà, belle trouvaille en tout cas. Il doit pas être excessivement vieux. Mais sympa à identifier. Si vous avez une idée, merci. Sortie finie. Bon, j'ai bien ratissé. C'est vraiment trop pollué quoi. C'est super pas agréable. 2h30 de détection. Je vous montre le résultat. Voilà. Il y a 4 monnaies. Une nappe 10 centimes, Reichspfennig 10 centimes, une semeuse, un franc. Voilà ces belles appliques. La sorte d'attache avec l'étoile dessus. Ça j'ai trouvé entre temps, je sais pas ce que c'est pas une cloche, hein. C'est une déco. Le dé à coudre en alu, joli, cassé. Ça aussi je l'ai pas filmé, c'est une sorte de coupelle, enfin déco de quelque chose. Et le médaillon religieux
Belle trouvaille. Voilà un résultat pas mal. Pas mal, c'est quand même sympa. Peut-être demain, nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne détection.